Mesdames et Messieurs, bonsoir. Je suis ravi de vous accueillir nombreux ce soir à Station Ozone Mola pour la présentation d'un livre que j'ai dévoré, Eugène Green. Euh, le livre est intitulé Shakespeare ou la lumière des ombres et nous le devons à Eugène Green. Alors quelques mots, vous le connaissez vraisemblablement. Eugène Green est né aux États-Unis mais il a quitté la barbarie il y a fort longtemps. <laughs> Euh, il est venu dans notre pays à la fin des années 60 hein, et euh, depuis, vous avez eu euh, une vie extrêmement remplie euh, de cinéastes, d'hommes de théâtre. Vous avez eu une compagnie, euh, la compagnie de la sapience, euh, avec laquelle vous avez essayé de restaurer, c'est à dessin que j'emploie le terme, de restaurer une diction baroque euh, du théâtre et vous êtes écrivain. Il se trouve que euh, nous avons la chance ce soir de vous accueillir. Euh, je tiens d'ailleurs à signaler au public qu'à 20h30, si cela vous intéresse, au Cinéma Utopia que vous connaissez, il y a euh, une soirée euh, durant laquelle Eugène Green présentera euh, son cinéma. Donc je vous invite éventuellement euh, à, à y aller. Euh, je je suis... je, juste pour dire pour les deux, les, ce, ce qu'on qu verra si on vient. Oui. Donc, ces deux films, en fait, un, un film d'une demi-heure en portugais qui s'appelle Comment Fernando Pessoa Sauva le Portugal. Et puis un long métrage d'une heure et quart et qui a été fait dans le cadre d'un atelier de formation pour de jeunes comédiens professionnels et pour des raisons juridiques, donc il ne peut pas sortir en salle. Donc c'est l'occasion unique ce soir de voir ce film. Merci, euh, Monsieur. Euh, je, je termine votre présentation qui sera brève. Euh, Jean Green est à Bordeaux, euh, notamment pour nous présenter donc un, un Shakespeare. Si l'on va vite, on va dire, tiens, encore une biographie de Shakespeare, une énième biographie de Shakespeare. Qu'est-ce que l'on va apprendre sur ce monument de la littérature et du théâtre Peut-être pas grand-chose. Bon. Et euh, je tiens, euh, mon avis, à peu d'importance. Vous êtes là pour écouter John Green. Mon rôle est de le faire parler. Euh, J'ai été absolument conquis par votre livre, je le dis sans flatterie, parce que euh, c'est une biographie. C'est une biographie, je dirais. Honnête, humble, modeste, donc extrêmement solide. Et euh, c'est une biographie dans laquelle euh, Eugène Green est totalement présent, mais sans s'exhiber. C'est-à-dire que véritablement, votre sous-titre, euh, Portrait subjectif, c'est un sous-titre qui correspond tout à fait à ce livre. Euh, vous nous entretenez de Shakespeare, et tout en nous entretenant de Shakespeare, vous nous parlez de votre Shakespeare. Et ça, je trouve absolument passionnant. Dans la mesure où euh, vous n'essayez pas euh, d'inventer une vie euh, pour Shakespeare et de Shakespeare, à partir de ce que nous savons, c'est-à-dire très peu de choses, à partir de là, vous lisez son œuvre et vous nous dites quels sont les enseignements que vous, vous avez tirés de la lecture de son œuvre. Euh, il y en a trois. En tout cas, j'en ai relevé trois, et j'aimerais, si, si vous en êtes d'accord, que vous nous entreteniez de ces enseignements, de ces leçons que vous avez tirées de Shakespeare. La première, c'est celle-ci vous nous dites que, en lisant Shakespeare, grâce à lui, vous avez appris que la fiction était le moyen le plus efficace inventé par l'esprit humain pour exprimer la vérité dans son ambivalence. Alors ça. J'ai envie d'en savoir un peu plus. La vérité de son ambivalence, et vous l'avez appris par le biais de la fiction. Parce que on vit dans un monde, en fait, où euh, la pensée dominante veut que la vérité soit toujours simple, qu'il y a une vérité. Et d'ailleurs, il y a toujours des conflits entre les différentes vérités, mais chacun est toujours convaincu que sa vérité est la vérité unique. Mais je pense que euh, Justement, tout, tout, tout ce qui existe dans le monde, et en particulier ce qui est humain, et même la compréhension humaine du monde, c'est des, des choses qui sont ambivalentes, qui, qui sont comme la civilisation baroque à laquelle euh, appartenait Shakespeare, c est, c est une, c est, c est, ça forme en fait un oxymore, c'est-à-dire... Euh, L'oxymore, si vous ne connaissez pas ce terme, c'est une figure de rhétorique où on réunit deux termes que la raison tient pour euh, contradictoires et exclusifs pour exprimer une vérité qui va au-delà de la raison. Et donc, nous vivons depuis le XVIIIe siècle dans une dictature de la raison. Qui est simplement une abstraction, qui n'existe euh, que dans sa propre euh, justement sa propre construction, sa propre réalité. Mais comme euh, Hamlet dit à, à Horatio, il y a plus de choses sur la terre et au, au ciel que ceux dont songe votre philosophie. Et donc, euh, la, le monde et, et la, la vérité et l'expérience même, ce sont des choses complexes, et la fiction a la possibilité d'exprimer cette ambiguïté, cette complexité, le fait qu'une chose et son contraire peuvent coexister, et tous les deux peuvent être vrais selon l'angle sous lequel on, on les regarde. Et dans, à, à notre époque, la fiction est mal vue. Et même considéré comme repréhensible. Souvent, dans les critiques de films, quand on veut euh, faire l'éloge d'un film, d'un film de fiction, on dit c'est à moitié documentaire. Et encore que documentaire, donc dans ce sens, est réduit à quelque chose de très, de très simple et, et faux, euh, parce que documentaire dans l'esprit de ceux qui l'utilisent, ça veut dire vrai, réel. Et fiction, ça veut dire ce qui n'est pas réel et qui est faux. Qui est de l'ordre de l'imaginaire? Voilà, qui est l'ordre de l'imaginaire, mais c'est justement cet imaginaire, c'est un des, un des dons que l'homme a reçu, c'est presque son, euh, sa, son, son don le plus précieux, puisque ça lui permet de, à travers une représentation du monde, qui est forcément fausse, puisque c'est une représentation, mais ça lui permet d'exprimer cette vérité complexe que dans le monde, euh, dans la réalité euh, matérielle, du monde qui n'arrive pas à démêler puisqu'il cherche toujours une vérité simple. Donc effectivement, personnellement, adolescent, j'ai découvert la fiction et la puissance de la fiction chez Shakespeare. Oui, euh, vous, vous expliquez d'ailleurs euh, dans l'introduction de votre livre que vous avez découvert banalement Shakespeare euh, à l'occasion d'un programme de télévision. Il y avait une retransmission d'une pièce et là il s'est passé quelque chose Il y a eu un, mm. un choc émotif mm. Vous dites que vous aviez 13 ans je crois oui donc un jeune adolescent c'était une émotion je pense sensible vraisemblablement elle s'est doublée d'une émotion esthétique oui mais à l'époque je, je, je ne, ne m'en rendais pas compte. Donc, c'était juste, en, en l'occurrence, c'était Roméo et Juliette. Et c'est simplement que j'ai été ému par l'histoire. Mais en fait, bien sûr, puisque j'avais reçu cette histoire à travers le langage de Shakespeare, qui est un langage poétique, et, et c'est aussi un, à travers une forme théâtrale, donc c'était aussi une expérience esthétique qui a commencé à former ma, ma conscience. Esthétique. Si vous me permettez, je voudrais revenir sur la question du baroque et de, de l'oxymore baroque. Vous avez dit que depuis la fin du XVe, début du XVIe siècle, l'Europe occidentale est dominée par une pensée logico-déductive. Il y a une cause et dans les mêmes conditions, la même cause produit les mêmes effets. Or, la pensée baroque, c'est une pensée qui est à l'encontre de ce dualisme, dans la mesure où l'oxymore ne tient pas simplement les contraires juxtaposés, mais les contraires sont en même temps possibles. oui, parce que donc effectivement à partir jusqu'au jusqu milieu du xvie siècle il n'y avait aucune contradiction entre la spiritualité et une foi religieuse même et l'investigation rationnelle du monde puisqu'on considérait le monde comme la création de dieu. Et donc Dieu était visible dans son monde. Et le fait d'explorer le monde, c'était simplement se rapprocher de Dieu. Mais ce modèle a pris à partir de la seconde moitié du XVIe siècle une telle indépendance. Avec l'idée que finalement le monde fonctionnait selon des lois et qu'il suffisait de découvrir ces lois pour comprendre le fonctionnement du monde. Et du coup, ce modèle, semblait, ce modèle scientifique semblait évacuer la nécessité de Dieu. Mais pendant toute l'époque baroque, c'est-à-dire de la fin du XVIe jusqu'au début du XVIIIe siècle, l'homme vivait cet oxymore, c'est-à-dire qu'à la fois. Il croyait à cette pensée rationnelle et il croyait à la valeur de cette exploration rationnelle du monde et à la comment dire, à l'élaboration et l'approfondissement la, 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 de ce modèle rationnel du monde. Mais en même temps, il croyait toujours que la réalité suprême, c'était Dieu. Mais Dieu n'était plus visible dans, dans son monde, mais c'était le Deus absconditus, de le Dieu Pascal. caché. Voilà, le Dieu caché et, et le Dieu caché ne se manifestait qu'à des moments euh, exceptionnels où les lois de la nature étaient suspendues, comme une sorte de miracle. Mais euh, pendant toute cette époque, l'homme croyait que il pouvait reproduire le monde et produire cette suspension. De, des lois de la nature et donc la manifestation de Dieu à travers l'art et en particulier à travers le théâtre qui était le plus faux des arts puisque tout est faux dans le théâtre mais le théâtre est devenu le modèle pour tous les autres arts à, à, à l'époque baroque et puis euh, notamment le, le théâtre euh autant de Shakespeare, on a l'habitude de dire en France le théâtre élisabétain. Oui, seulement. mais, c est, c est mais, mais pas ça voilà, n'a pas de sens, mais c'est l'expression qu'on emploie. Et puis, théâtre évité. El... Exactement. <rire> <Bon>. <rire> on a l'habitude de dire le théâtre élisabétain, bon, c'est un théâtre qui repose euh, essentiellement, de mon point de vue, sur l'incarnation, hein, dans la mesure où euh, il y a une scène, et puis il y a les comédiens. Est bon, ça. Et c'est euh, par euh, la prise en charge du texte, un texte d'ailleurs qu'on ne respecte pas toujours. Bon, mmh. mais c'est par la prise en charge du texte par le biais de la parole avec le corps que l'on fait surgir des mondes. C'est ça. Sans décor particulier et sans machinerie euh, particulière. Ça. Et ça, c'est l'essence du théâtre. Donc, une autre chose que j'ai apprise en en, en lisant et en regardant Shakespeare, euh, adolescent et jeune homme, c'était l'essence de la théâtralité que j'ai eu l'effronterie le, d'essayer de, de reproposer comme une... Euh, une proposition pour le monde contemporain, puisque je trouve qu'on a perdu au théâtre l'essence de la théâtralité. Mais ça, c'était très, très mal vu. Oui, alors, je, je vous <laughs> fais allusion euh, aux années durant lesquelles euh, vous avez été un homme de théâtre avec une compagnie, euh, la, la compagnie de la Sapience. Euh, vous avez euh, essuyé des critiques euh, assez rudes, dans la mesure où l'on vous reprochait un parti pris, hein, notamment, euh, j'ai regardé avant de, de venir vous voir. Euh, je me suis rafraîchi la mémoire, j'ai regardé quelques, quelques critiques, on vous reprochait la manière dont vous demandiez aux comédiens de dire le texte. C'était un problème de diction. Et c'est très étonnant parce que votre tentative au théâtre coïncidait. Avec euh, un retour des musiciens vis-à-vis mm. hein, euh, -vis des instruments anciens, de la manière de jouer euh, euh, à la même époque euh, la musique. Et euh, cet effort, ce retour vers le baroque musical a été salué, célébré, mm. alors que vous, vous avez été éreinté. Vous avez du mal à le vivre. Oui, c'était très, très difficile. Euh et que j'ai réussi à faire des choses, à la fois je donnais des spectacles tout seul, ça ne coûtait pas très cher, euh, mais j'ai réussi aussi à monter des pièces du XVIIe siècle avec des acteurs, et ça c'était très difficile puisqu'on n'avait aucune subvention, en fait. Non seulement on n'avait pas de subvention, mais on était considéré comme, enfin ces démarches étaient considérées comme moralement repréhensibles. Parce qu'à à, l'époque... Euh, le théâtre était plus ou moins la religion d'État de la Saintissime République classique laïque et parisienne. <laughs> Alors, je, le public sourit à votre bon mot. Je tiens à dire, Bon, dans la salle, certains et certaines savent que je suis universitaire. Je vous ai lu sur la pointe des pieds parce que vous êtes rude avec les, avec les collègues. Hein. Avec les, les universitaires, vous, vous les éreintez. Alors, je ne sais pas si vous prenez votre revanche, mais vous les secouez. Donc, je m'adresse à vous en tant que lecteur et non pas en tant qu'universitaire. Non, c'était dire que, bon, en plus des. Des, des structures officielles du théâtre. Euh, J'ai été aussi très très agressé d'une manière très très violente par certains mandarins de, du monde universitaire. Alors il y a eu un moment donc il y a eu un universitaire Georges Forestier mmh. qui était spécialiste du théâtre du XVIIe siècle qui a commencé à me soutenir. Et euh, à ce moment-là il y a eu des retournements de veste ailleurs. Euh, surtout chez, chez les, les plus jeunes ou même des gens de sa génération. Maintenant, il y a une sorte de, de nouveau, in, un retournement, euh, parce que on dit que donc ce que je faisais n'était pas euh, scientifiquement fondé. Mais je n'étais pas, euh, je, je ne suis pas scientifique et je ne suis pas, pas universitaire. J'ai du respect pour les vrais universitaires, les vrais chercheurs. Et les vrais pédagogues, c'est même quelque chose de très important. Mais euh, disons que. Euh, il y a donc des universitaires qui disent maintenant, moi j'ai trouvé un texte qui dit que en 1667 on a, on a cessé de prononcer le T à la fin des vers et donc euh, dire euh, dire en prononçant le T à la fin des vers, c'est horrible, c'est historiquement désinformé puisqu'ils refusent le mot baroque qui en France est, euh, a toutes sortes de, de connotations idéologiques. Euh, et qu'ils aiment toujours le mot classique qui a aussi toutes sortes de connotations idéologiques et donc pour éviter parce que moi j'appelais ça du théâtre baroque comme les musiciens disaient faire de la musique baroque donc ils appellent ça maintenant du théâtre historiquement informé moi je... voilà moi je trouve que c'est hystériquement informé mais euh... Mais euh, en fait, moi, ce que je faisais, j'ai à l'époque rien n'était connu de, de même d'un point de vue scientifique. J'ai demandé, par exemple, à des historiens, à des linguistes, histori spécialistes de la phonétique historique, de me donner des indications et ils ont dit non. On peut dire que ce phonème sous sa forme écrite, cette lettre est passée en latin, de cette lettre en français. Mais moi, je ne peux pas reproduire le son. Mais moi, ce qui m'intéressait, c'était effectivement d'en faire un usage artistique et donc créer un modèle qui était historique, qui était fondé, qui n'était pas hystériquement informé, mais qui était fondé sur des bases, sur des recherches véritables, mais qui était surtout un moyen de, de se rapprocher de ce que c'était la théâtralité et la façon de jouer. Il ne s'agissait pas seulement de la prononciation, c'était toute une conception du jeu. Il y a aussi la gestuelle et même surtout de la gestion de l'énergie chez mmh. l'acteur, qui, qui était complètement différente de ce qu'on fait dans le théâtre psychologique aujourd'hui. Donc moi, j'ai quand même fait des recherches pendant 15 ans. Euh, même j'étais dans un cadre universitaire très respectable. J'étais inscrit en thèse à, à l'école des hautes études en sciences sociales avec Louis Marin. Mais ayant en fait toutes les recherches, j'ai décidé de ne pas rédiger ma thèse et la soutenir parce que je n'avais pas envie d'enseigner de, à l'université, mais de faire des spectacles. Et du coup, ce que je propose, c'est effectivement un modèle qui fonctionne aussi bien. Pour les pièces du début du XVIIe siècle, que pour Racine. Et ça fonctionne donc pour les premières pièces de Racine, comme pour Phèdre et les pièces de, de Saint-Cyr. Euh, et, et donc, le public peut, et une fois que le public entre dans ce, cette forme de représentation, l'exotisme disparaissait. Ça, c'était vrai que j'ai constaté. Euh, et que ça devenait simplement une expérience théâtrale réelle. Donc voilà, c'est juste pour... Et si vous me permettez, le... oui. euh, nous allons revenir à Shakespeare, oui. mais oui. à partir de ce que vous venez d'énoncer, euh, à la fin de votre livre, euh, il y a un appendice, et euh, notamment euh, l'une des séquences de cet appendice est consacrée euh, aux traductions. Euh, ça m'a vraiment passionné. Euh, J'ai envie de vous dire que d'abord, vous êtes convaincant, vraiment convaincant, et euh, je pense que... Quand on vous lit et quand on a lu un peu Shakespeare, quand on l'a vu jouer, on ne peut qu'arriver à la conclusion que Shakespeare est intraduisible. Il faut le lire d'une manière. Il faut, il faut le publier en bilingue. Oui. Parce qu'autrement, on perd énormément de choses. Je vous, je vous ai bien compris. Oui, oui, oui. Et même, il faut le publier en bilingue avec des traductions très lourdes, en fait, des traductions littérales, puisqu'on oblige tout le monde aujourd'hui à apprendre ce, ce patois, le patois saxo-normand. Euh, J'explique dans le livre pourquoi je l'appelle comme ça. C'est historiquement fondé, mm -hmm. mais euh, disons que donc, tout le monde a des bases en anglais et du coup avec une traduction très littérale ça vous permettrait et des notes puisque même quand, moi je peux le lire donc dans des éditions anglaises dans le texte mais dans les bonnes éditions anglaises il y a sur chaque page ça de texte et ça de notes et que quand je lis, pour, euh, euh, sauf pour lire un passage et en comprenant toutes les nuances et toutes les références possibles, je lis euh, comme ça sans, sans lire toutes les notes. Euh, mais disons que avec une, une édition bilingue et une traduction assez littérale, ça vous permettrait vraiment d'entrer dans le texte. Parce que toute poésie, je pense, est intraduisible. Et, et dans le cas de Shakespeare, il y a aussi la complexité de l'écriture qui est toujours euh, poly, euh, polysémique. polysémique. C'est-à-dire qu'il y a plusieurs sens en même temps. Et puis, c'est plein de références euh, historiques, littéraires, etc. Et donc, euh, on, on, ne peut rien, on ne peut jamais tout comprendre, en fait, en tout cas pas en même temps mais quand les pièces sont jouées, et certaines des pièces de shakespeare je les ai découvertes en les voyant jouer sans les avoir jamais lues. Tout le monde, quand même, dans le monde anglo-klaxon, les, les spectateurs entrent dans la, la pièce sans comprendre tout et sans comprendre toutes les nuances. Mais la pièce porte, avec son énergie, euh, porte le spectateur. Et donc, même à la lecture, si vous avez une édition bilingue, vous pouvez entrer de cette façon euh, dans la pièce. Mais essayez de traduire. Donc, j'ai pris dans ce chapitre... Euh, sur la traduction, j'ai pris un petit passage de Macbeth oui. et je donne à euh, presque toutes les traductions tenues pour les plus importantes à partir de Guizot au début du 19e siècle jusqu'à des traductions très récentes de Markovitch, de Yves Bonnefoy et de. Euh, dans la Pléiade. Desprats. Euh, de voilà, c'est ça. Et je montre que euh, bah, chacun apporte quelque chose, mais que. Euh, Chacun a de tels défauts et de tels manquements par rapport à l'original qu'on n'a jamais, quelle que soit la traduction qu'on lise, on ne peut jamais vraiment euh, se dire qu'on s'est approché même de l'original. Si, si vous me permettez, vous dites mmh. quelque chose d'une manière euh, non polémique, mais qui est euh, tout à fait euh, réelle, c'est que euh, la tradition française, la tradition française de la traduction vise l'univocité, et, — et, 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 et concer... Alors d'une manière générale, c'est dommage, parce que ça appauvrit évidemment euh, la signification. Mais dans le cas de Shakespeare, c'est une catastrophe, parce qu'on choisit un sens là où le verre peut euh, s'ouvrir quasiment à l'infini. C'est ça. Et en plus, l'autre gros défaut de la tradition française, c'est qu'on pense que traduire une œuvre littéraire, c'est traduire le sens, comme si c'était un, un mode d'emploi pour un appareil électroménager. Et du coup, on, on passe complètement à côté de l'élément de, 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 de la langue en matière. Et surtout pour un texte théâtral, donc il doit être incarné, mais toute poésie de toute façon devrait être incarnée. Et du coup, euh, et, et chez Shakespeare, il y a le, le, une grande partie des pièces sont écrites euh, ce, euh, est écrite en vers, et on, on ne cherche jamais à reproduire euh, des vers. Et puis il y a des passages aussi en prose, donc ça fait aussi une différence qu'on ne cherche jamais non plus à, à reproduire. Et, et donc, effectivement, euh, il faut, non seulement pour Shakespeare, mais en fait pour tous les grands auteurs, moi, moi je ne cherche pas à, euh, en tout cas pour tout, tout ce qui est poésie, euh, que ce soit des pièces de théâtre ou des épopées ou de la poésie lyrique, je ne lis que des auteurs dont je peux lire la langue. Je ne cherche pas à lire des traductions. Pour les romans, maintenant, euh, comme je sais que je ne, je ne pourrai pas apprendre toutes les langues, certains romans, je lis en traduction. Mais la, la poésie, il faut, il faut le lire dans, dans l'original. Alors la poésie de, de, de Shakespeare, je, je pense que vous ne me reprendrez pas euh, si euh, je dis que certes Shakespeare est un homme de théâtre, mais pas seulement. Euh, c'est un poète, mais pas seulement. Mais en même temps, ce n'est pas faux de dire, euh, s'il faut le présenter euh, à un jeune public, par exemple, de dire c'est un immense poète. Oui, bien sûr, c'est un poète. Voilà, y compris dans sa pratique théâtrale. Un bien poète. sûr, bien sûr, il est considéré dans les pays de langue anglaise comme le plus grand poète de langue anglaise. Et donc, il a écrit aussi, il a écrit des poèmes narratifs qui sont beaux, mais qui ne sont. S'il n'avait écrit que ça, ce serait un poète de, voilà, du dont on se souviendrait. Mais avec beaucoup d'autres, mais il a écrit aussi des sonnets. Qui sont aussi parmi les plus beaux poèmes lyriques de la langue anglaise. Donc, euh, et, il est. Euh, mais même s'il n'avait pas écrit les sonnets ni les poèmes narratifs, il serait considéré quand même comme le plus grand poète simplement pour son œuvre théâtrale. Donc, c'est dire que, voilà, ça, ça, ça veut dire que c'était un immense auteur, un immense poète, et qui a pratiqué plusieurs genres. Alors, justement, ce, ce, cet écrivain. Phénoménal. Euh, il a peut-être eu la chance euh, d'avoir euh, un immense talent, mais de vivre à une époque que je qualifierais une époque euh, d'anomie, dans la mesure où euh, son parcours d'homme, de sujet humain, correspond à la fin d'un monde et à l'émergence d'un nouveau, euh, que ce soit sur le plan économique, social ou politique. Euh, c'est la fin des Tudors, euh, c'est le début des Stuarts et en même temps, c'est le, le changement, euh, euh, je dirais, de, pour parler comme mes collègues d'aujourd'hui, de paradigme. <laughs> C'est-à-dire que l'on passe, on passe euh, en fait d'une conception du monde euh, médiéval avec ce que vous avez évoqué tout à l'heure, euh, la clé de voûte, c'est la croyance en Dieu et sa présence. Hein euh, présence qui se manifeste par exemple dans euh, la personne du souverain, mm. qui est là, qui est euh, euh, la, la présence manifeste de mm. la divinité, et puis le nouveau monde, hein, le nouveau monde qui, qui s'installe. Et euh, j'ai été très sensible à votre lecture de Shakespeare parce que vous montrez comment, dans toute une série de, 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 de pièces, euh, il essaie de résoudre. Hein, cette, euh, ce passage d'un monde à l'autre. Hein, il, il est entre deux rives et il vous montre très bien comment, dans telle ou telle pièce, il y a des éléments qui euh, s'apparentent à l'ancien monde et d'autres qui, qui expriment le nouveau monde en train d'émerger. Oui, et que disons qu'en plus, la carrière de Shakespeare. Euh, a commencé, enfin, la, la carrière en tant qu'auteur, ça a commencé sans doute à la fin des années 1580, euh, 80, mais comme les, la première, euh, le premier document qui situe, sa, 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 qui, qui situe historiquement sa carrière, ça date de 1592, euh, on dit euh, habituellement que sa carrière commence autour de 1590. Et puis la dernière pièce qu'il a écrite seul, La Tempête, c'est de 1610. Du coup, son, sa carrière s'étend sur deux, euh, deux décennies. Oui. et 20 ans à peu près. 20 ans, voilà. Et ces deux décennies, en fait, appartiennent à deux siècles différents. Et ce n'est pas simplement une, une question de date, de changement de, de siècle, mais il y a vraiment une bascule bah, à la fois politique, puisqu'effectivement, en 1603, la reine Élisabeth Ier, la dernière des, des Tudors, meurt. Et Jacques Ier, le premier des Stuarts, est, est, est proclamé roi. Mais c'est aussi, on bascule en fait du monde plus ou moins de la Renaissance, de la fin de la Renaissance, au début du monde baroque. Et ça correspond aussi donc à ces, comment dire, à ces contradictions qu'on trouve dans, dans la vie et dans, dans l'œuvre de Shakespeare. Et euh, effectivement, donc il y a cette, cette vision médiévale qui est une vision hiérarchique avec une présence donc très forte du sacré euh, qui, euh, qui, est, qui est apparente dans le monde puisque euh, dieu est visible dans son monde créé et dieu est représenté par le souverain qui, qui, qui a dans, en Angleterre comme en France, il y avait une doctrine non seulement symbolique mais vraiment officielle des deux corps du roi. Mmh. Le roi, chaque roi avait un corps humain qui lui appartenait, mais au moment de son de son avènement, il assumait aussi le corps immatériel du roi, le corps glorieux, est, euh, le corps glorieux du roi, qui était une euh, une émanation du corps glorieux du Christ. Et, et donc, euh, il y avait cette, cette vision-là. Et puis, il y avait le capitalisme naissant. Et donc, Shakespeare, dans sa, son théâtre, était, on voit qu'il était très attaché à l'ancien monde, puisqu'il y a un sentiment du sacré qui parcourt tout son théâtre de, de façon différente selon la décennie, mais c'est toujours présent. Mais c'était aussi un grand homme d'affaires. C'était un, un homme qui était... Qui était obsédé euh, par l'ascension la, 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 sociale et effectivement dans sa famille, il y a eu une ascension sociale très importante à travers trois générations, puisque son grand-père paternel était un métayer, et un, métier, un pays, paysan sans terre. Son père est devenu euh, commerçant et bourgeois respecté et respectable de la ville de Stratford upon Avon. Et, et il a épousé euh, la, une fille de la famille euh, qui appartenait à qui appartenait les terres que travaillait son père à lui, donc le grand-père de Shakespeare. Et puis Shakespeare est devenu, à travers le théâtre, un des hommes euh, les plus riches d'Angleterre et le, plus, le, le citoyen le plus riche de sa ville natale de Stratford, dont il a fait beaucoup de. De, de comment dire de d'affaires immobilières il a acheté une, des, des parties très importantes soit de, de, enfin des maisons importantes dans la ville ou des terres autour de la ville et donc il est devenu un, en plus il a obtenu des armoiries pour sa famille et donc il est devenu officiellement un gentilhomme cette ascension sociale n'aurait pas été possible au début du XVIe siècle où il y avait le, la pensée médiévale qu'on on naissait par la volonté de Dieu, on naissait à un certain niveau de la société et il fallait y rester. Oui, dans un certain ordre. Dans un certain ordre, voilà. Et, et donc, euh, et on trouve. Il y a aussi le, la question religieuse qui, qui est très importante euh, et c'est quelque chose qu'on qu commence à, à connaître beaucoup mieux maintenant parce qu'il y a eu pendant longtemps en Grande-Bretagne, justement, c'est une sorte de tabou, dans la mesure où, pour des raisons purement politiques, Henri VIII a établi une église anglicane qui était une église nationale, dont le, 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 le chef, la tête, était le roi, donc un personnage séculier. Et donc, c'était la religion officielle d'Angleterre, enfin, ce l'est toujours d'ailleurs, contrairement à, la, à, la, à notre République. L'Angleterre n'est pas un pays laïque, puisqu'il y a une Église, toutes les religions sont, sont acceptées et qui, qui peuvent se pratiquer librement, mais il y a une Église dite établie, qui est l'Église anglicane. Et donc, à partir, selon le, le, la religion... Après Henri VIII, selon le souverain, la religion était soit cette religion officielle, soit en tout cas sous Marie Tudor, mais qui qui n'a régné que pendant cinq ans, est redevenue la religion catholique. Mais en fait, à, à côté de cette religion officielle, il y avait deux. Euh, deux cas de ce qu'on appelait de, de récusants, c'est-à-dire des, des groupes humains qui refusaient le, la religion officielle. Donc d'un côté, il y avait les puritains qui étaient des protestants plus extrêmes que, que l'Église. L'Église anglicane est théologiquement luthérienne, tandis que les, les puritains étaient calvinistes et des calvinistes extrêmes. Euh, et, et de l'autre côté, donc il y avait une partie de la population très importante, que ce qu'on sait aujourd'hui, peut-être même majoritaire, qui est restée attachée à, à la religion catholique et qui donc qui a vécu ça de trois façons différentes. C'est-à-dire dans certains cas, pour des raisons de commodité ou autres, les gens ont accepté complètement la nouvelle religion tout en gardant une sympathie simplement pour le catholicisme et pour certaines de ces rites qu'on a, qu a incorporés même dans, dans l'église anglicane. Et il y en a qui... Qui sont, qui sont opposés euh, ouvertement, c'est-à-dire qui refusaient l'anglicanisme ouvertement et qui ont été persécutés selon la période. Ça pouvait, ça, il pouvait s'agir simplement d'amendes et de, de sermons. Et à d'autres moments, la persécution est devenue très violente et, et menait même jusqu'à des exécutions. Et puis une troisième catégorie qui vivait une sorte d'entre-deux, c'est-à-dire qui se conformait extérieurement à l'église anglicane, mais qui, avec des prêtres clandestins catholiques, continuait à pratiquer le catholicisme. Et d'après tout ce qu'on peut savoir, la famille de Shakespeare était de cette catégorie-là. Son père, en tout cas, était, et sa mère aussi, étaient des catholiques pratiquants mais clandestinement, et donc il est très probable que les enfants ont été élevés de cette façon. Et on trouve des traces au cours de la vie de, de Shakespeare qui montrent que tout en, euh, en vivant extérieurement en anglican, euh, il restait attaché au catholicisme et même dans certains cas, euh, participait à des rites euh, interdits catholiques. Euh, et c'est quelque chose dont, dont on trouve des traces même dans les pièces et que j'ai essayé d'analyser, en particulier les pièces de la seconde période, de la période baroque. Mais dans sa vie, ces deux euh, traditions religieuses aussi forment une contradiction, puisque. Euh, Selon la, la vision catholique du monde à laquelle il restait attaché euh, par les sentiments et qui, qui donne un sentiment de sac, du sacré qu'on trouve dans ces pièces. Pourtant, ces traditions euh, étaient plutôt pour l'immobilisme social, tandis que l'esprit. Des puritains en particulier, qui étaient liés au développement du capitalisme en Grande-Bretagne, lui a permis en fait de devenir un grand capitaliste dans la pratique du théâtre. Et donc, il a en quelque sorte, il a profité des deux traditions dans sa vie d'artiste et d'homme d'affaires. Alors, justement, euh, votre livre est passionnant sur ce point, c'est-à-dire que. Vous rappelez, vous apprenez à un certain nombre de lecteurs que cette période charnière de l'histoire d'Angleterre a été troublée, et notamment pour ces questions religieuses, qu'il n'est pas impossible que la famille de Shakespeare ait vécu, vous l'employez à plusieurs reprises dans votre livre, comme des maranes hein, hum. vous, 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 oui, vous établissez si un, un parallèle avec, les, avec les, juifs les juifs séfarades oui. d'Espagne, qui, qui ceux qui sont restés en Espagne, oui en donnant l'impression d'abjurer leur foi alors qu'ils continuaient de la pratiquer chez eux. – Au Portugal aussi. Euh, – Voilà. Donc vous vous, vous, vous situez bien euh, et avec force euh, Shakespeare et sa famille. Et surtout, ce qui me paraît très intéressant, c'est que vous n'êtes pas dans, euh, justement dans l'imagination. Vous ne brodez pas. Euh, vous dites « Voilà ce que l'on sait, voilà ce que l'on peut supposer ». Ce ne sont que des hypothèses, et à partir de cela, vous lisez les pièces, notamment. Et ce qui m'a vraiment passionné, euh, et je saisis votre propos au vol, c'est que l'on peut supposer que Shakespeare, son cœur penché vers le passé et vers le sacré, et dans l'écriture de ces pièces, eh bien cela se sent, et cela se sent, on a ce poète prodigieux qui bricole qui fait un bricolage dans la mesure où le rituel, le rituel tragique il sent bien que ça ne marche pas ça ne peut plus marcher donc il cherche et de pièce en pièce vous montrez bien comment de pièce en pièce il cherche il cherche quoi à faire concilier ces valeurs de l'ancien monde avec les réalités nouvelles et alors notamment j'ai été subjugué par votre analyse du roi lear j'aimerais que vous nous en parliez un petit peu ben, c'est la pièce que j'analyse le, le, le plus longuement parce que bon pour moi c'est il y a, y a beaucoup de chefs-d'œuvre chez, chez, chez Shakespeare mais pour moi c'est le, le plus grand chef-d'œuvre de Shakespeare et eh, ce que j'essaie de montrer c'est que dans les pièces des années euh, 1590 eh, Shakespeare a réussi à suivre ce que j'appelle le rituel euh, euh, le rituel dramatique qui est en fait la base du théâtre dans toutes les civilisations où il y a une certaine harmonie entre. Euh, les valeurs de, de la civilisation et, euh, et, et, la, et la société. Il y a une certaine harmonie dans la société et un certain sentiment d'appartenir à la même à un même monde, à la même communauté, à la même communauté. Voilà, c'est les mots que je cherchais. Et donc, on trouve ça pour la première fois en Occident à Athènes au Ve siècle avant Jésus-Christ, chez les grands tragiques et aussi chez Aristophane, même puisqu'il y a un versant comique de la, du rituel dramatique. On le retrouve plus tard, à l'époque baroque, mais pendant une période très limitée, en France, au début du règne de Louis XIV aussi, puisque jusqu'à un certain point, en tout cas, les grands, enfin, Cornet et Racine surtout, et aussi Molière, ont, euh, ont suivi cette, cette structure que j'appelle le rituel dramatique. Et donc, dans les grandes pièces de Shakespeare de la première période, on peut trouver cette structure. En gros, cette structure, c'est fondée sur le rituel du bouc émissaire. Mmh. C'est-à-dire que dans toute civilisation, parce que c'est même au cœur du sentiment du sacré, toutes les civilisations ont des rituels où un... Um, um, dans certaines, à certaines époques, c'était une victime humaine, après, c'était une victime animale. On, euh, tout, toutes les fautes de la société, on mettait sur cette victime qui devenait donc souillée par le fait qu'elle prenait sur elle toutes ses, toutes ses fautes. Mais en même temps, selon la logique du sacré, le, le bouc émissaire qui devient souillé de cette façon devient aussi saint. Et donc on sacrifiait ce, ce, cette victime et le, la communauté était purifiée et le bouc émissaire devenait en même temps une sorte d'intercesseur euh, entre la communauté et le sacré. Et on trouve ça dans, la rituelle, dans le rituel dramatique, c'est-à-dire qu'il y a un personnage qui, est plutôt, euh, qui a plutôt des qualités, mais qui a un grave défaut qui fait que... Euh, il, il doit être sacrifié parce qu'il y a une infraction. Voilà, il, il y a une infraction, une infraction. Qui, qui déséquilibre l'ordre social et cosmique. Dans la tragédie, c'est toujours l'ordre cosmique, mais qui est lié à l'ordre social, puisque dans une telle communauté, on croit que l'ordre social est un reflet de l'ordre cosmique, de l'ordre divin. Et dans une comédie, c'est la même chose, sauf que c'est plus centré sur l'ordre social. L'infraction est moins grave. Voilà, l'infraction est moins grave. Et donc, le, le, il y a un châtiment. Donc, dans la tragédie, c'est souvent la mort. Dans la tragédie, c'est juste une correction. Et euh, l'ordre est donc rétabli. Euh, l'infraction est, est évacuée, le, 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 le résultat de l'infraction, et donc l'ordre est rétabli et le, le, la communauté vit de nouveau en harmonie avec le sacré. Et on peut voir cette structure dans les pièces de Shakespeare, dans certaines pièces que je cite de la, des années 1590. Mais à partir de 1600, ça ne devient plus possible puisque les tensions dans la société sont trop grandes. On est entré dans le monde baroque où tout est oxymore. Et du coup, il fallait trouver une, une forme qui permettait d'exprimer ces cette, euh, cette tensions. Et donc la tragédie, d'une manière générale, n'était plus possible. Et les pièces de Shakespeare de cette période qu'on appelle des tragédies sont peut-être de belles pièces, mais ce ne sont plus des tragédies selon la structure euh, rituelle. Par exemple, Hamlet, qui, qui mm. fait rouler les yeux à tout le monde, que moi j'ai toujours aimé moins que d'autres pièces. Euh, pour moi, Hamlet n'est pas une tragédie, puisque être une tragédie, c'est toujours un drama. Drama, mm. ça veut dire action. Et le, le héros de Hamlet, justement, c'est un homme qui ne peut pas agir. Donc il n'y a pas d'action dans Hamlet. Il y a juste une série d'épisodes et de tensions. Et, que, et en fait, à la fin, euh, le, il y a une, euh, une écatome. Mais finalement, l'ordre n'est rétabli que par... Euh, L'intervention d'une puissance extérieure, c'est-à-dire que le Danemark devient vassal de, du, de la Norvège, et donc c'est pas vraiment l'ordre qui est rétabli. Mais euh, et, et dans une pièce, Shakespeare a trouvé encore un moyen d'écrire une tragédie euh, qui correspondait à la nouvelle période, et c'est le roi Lear, qui est pour moi une tragédie chrétienne, mmh. parce que c'est une pièce. Ou euh, qui détaille en fait euh, les, qui montre donc des fautes, euh, une faute très grave au début. C'est un roi qui n'assume pas sa charge, oui, il renonce, il, il renonce à sa charge. Ce qui veut dire qu'il renonce à, à, au fait de représenter le divin et le sacré. C'est ça, parce qu'il a reçu cette charge de Dieu et au lieu de, 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 la, de la garder jusqu'au bout. Il, il y renonce pour des plaisirs euh, terrestres. donc il a, il a commis une très grave faute. mais pour shakespeare, un roi, c'est toujours un roi qui garde cette charge sacrée. donc l'ire doit être, doit souffrir, doit être martyrisé pour expier la faute. et que donc euh, et puis il y a d'autres personnages aussi qui doivent l'expier avec lui donc no notamment Gloucester mm. qui, qui a commis à un certain niveau la même faute puisque il a il a rejeté son son fils qui est bon pour son fils qui est qui est mauvais mais et même Cordelia qui est complètement innocente mais qui est entraînée dans la faute de lire. mais tous ces personnages souffrent et mais à la fin il y, a une autre, il, y a, donc il y a surtout les, les, les deux vieillards qui, qui, dont, on, dont la pièce détaille les souffrances, mais il y a aussi un jeune qui souffre, un jeune innocent, qui est Edgar. Et Edgar, je, je, je montre qu'il y a beaucoup d'éléments dans le personnage d'Edgar qui montrent que pour euh, Shakespeare, c'est une figure christique. C'est le Christ qui, qui est revenu en quelque sorte. Pour, pour aider les hommes à se purifier. Pour le salut. Pour, pour le salut. Et donc pour, pour conduire ces, ces, ces pécheurs dans une imitation du Christ qui va les purifier et purifier aussi le monde. Puisque c'est une pièce où la nature, le monde naturel est toujours présente. C'est une pièce qui se passe en principe en dehors du monde chrétien, puisque ça se passe dans la, la Grande-Bretagne pré-chrétienne. Mais en fait, il y a tout le temps des références au sacré et à la divinité. Et puis, par exemple, parmi les, les différents signes que j'analyse par rapport à Edgar, à un certain moment, il se, il se présente comme un personnage qu'il appelle Pauvre Tom. Poor, poor Tom. Mais à un certain moment, il se donne un autre nom qui est... Euh, qui est truly God et truly God. Si on inverse mm -hmm. deux deux lettres, ça devient truly God, véritablement Dieu. Dieu. Donc, il y a beaucoup de, de choses comme ça. Bon, je ne vais pas faire toute l'analyse, mais c'est une pièce donc qui montre en fait une, un parcours chrétien de la faute à la à la à la, à la contrition. Et, euh, et donc, elle et, et salue par, voilà, par la souffrance et la contrition et, et l'amour qui, qui arrive. Donc, finalement, chez tous les personnages euh, bons, même s'ils ont commis des fautes, il arrive à, à la fin une grande, euh, un grand mouvement d'amour. Et donc, voilà, je, je, lire, c'est une, une vraie tragédie, mais qui fonctionne autrement que les tragédies des années. 1590. Et ensuite, donc, la tragédie n'était plus possible. Donc Shakespeare fait des expériences euh, en cherchant une autre forme qui peut, euh, qui peut remplacer la tragédie dans ce monde baroque. Et il trouve um, une forme que moi j'appelle, ce n'est pas la, le nom traditionnel, mais moi je l'appelle la tragicomédie, oui. qui existe aussi dans d'autres pays. Et donc j'analyse trois... Il y a d'autres pièces qui rentrent dans cette catégorie mais qui sont moins parfaites, mais j'analyse trois pièces qui correspondent parfaitement à ce modèle et qui représentent une forme de théâtre euh, spirituel euh, de, du monde baroque. Et qui fonctionnait donc dans cette seconde période de la carrière de Shakespeare. Les trois pièces sont mesure pour mesure. C'est une pièce qui n'est pas très aimée, qui n'est pas très souvent jouée et qui a toujours été une de mes pièces préférées de Shakespeare. Peut-être que déjà j'avais une. Je ne sais une inclination. Pas. Voilà, une inclination pour, pour le baroque et que c'est une pièce parfaitement baroque. Ensuite, le conte d'hiver qui paraît était une pièce négligée qui est aujourd'hui maintenant très, très à la mode. Et puis la tempête qui a toujours été très, très jouée mais parfois pour de mauvaises raisons parce qu'on pensait trouver des, des éléments autobiographiques, des, une confession de Shakespeare, euh, tandis que, bon, peut-être que ces éléments sont là, mais c'est surtout une grande pièce qui représente le, la civilisation baroque et le théâtre de Shakespeare à son, dans toute sa plénitude. Si vous me permettez une, une dernière chose avant que nous nous tournions vers la salle et que nous donnions la parole au public, euh, ce qui m'a beaucoup intéressé, euh, notamment dans votre analyse du roi Lyre, c'est que vous l'avez dit, hein, vous avez repris les termes de la théologie euh, catholique, la contrition. Euh, en vous écoutant, je pensais à la rédemption. Oui, euh, souffrir souffrir pour les autres euh, afin de contribuer à leur salut euh, ce qui m'intéresse énormément c'est que j'ai envie de vous dire et je pense que je ne vais pas vous manquer de respect ce que vous énoncez c'est une hypothèse c'est une hypothèse que je trouve très solide je la trouve très solide pourquoi parce que d'une part vous n'inventez pas des détails biographiques et surtout vous ne rapportez pas ce que l'on sait de la vie de shakespeare euh, à la lettre de son théâtre ou de sa poésie. C'est-à-dire que vous lisez la poésie de Shakespeare ou vous lisez le théâtre de, de, de Shakespeare en pensant que vous allez apprendre peut-être des choses sur Shakespeare et sur sa vie, mais pas des choses détaillées. C'est-à-dire que vous ne lisez pas le théâtre de Shakespeare ou la poésie de Shakespeare avec euh, la loupe d'un euh, détective. Euh, vous ne menez pas une enquête. Vous ne menez pas une enquête policière. Mais vous essayez de comprendre quel était l'homme et de le situer dans un contexte qui l'obligeait à s'exprimer mais aussi à vivre, vous l'avez dit tout à l'heure, dans ce que j'appellerai une double détente. Donc en fait, le travail sur la langue, le travail poétique, le travail sur le signifiant ne l'empêchait peut-être pas de défendre ses propres convictions lesquelles vraisemblablement en tout cas c'est une hypothèse qu'on peut retenir euh, lesquelles regarder du côté du sacré et d'un sacré catholique et non pas euh, du nouveau monde capitaliste en train d'émerger. Je, je vous ai bien compris Oui, 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 tout à fait. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, euh, pour Shakespeare, pas seulement pour Shakespeare, mais d'une manière générale, quand on lit un auteur, euh, c'est toujours euh, à la loupe de la psychanalyse, de, de, de la, euh, voilà, on cherche toujours, à, euh, on veut absolument connaître la vie intime des auteurs. Shakespeare, heureusement, je trouve, pour lui et pour nous, on ne peut pas, on ne saura jamais beaucoup de choses sur sa vie, euh, sa vie d'homme, sa vie intime, puisque les éléments ne sont pas là. Euh, si jamais ils ont été là, ils ont disparu. Mais en grande partie, je pense qu'ils n'ont jamais existé sous forme de documents. Et, et du coup, euh, euh, donc j'ai simplement cherché à, à comprendre ces œuvres. Euh, en tant qu'œuvre littéraire et théâtrale, en faisant référence surtout à la, au contexte de, de l'époque que je connais euh, assez bien, en fait, puisque ça, c'est une, euh, disons, toute cette période, j'ai pas d'une manière de spécialiste, puisque je ne suis pas spécialiste universitaire, mais euh, je, à cette époque, 16e et 17e siècle, j'ai passé une grande partie de ma vie, à, disons, dans, dans, ces, dans, ces, euh, dans ce que ces siècles ont laissé. Et du coup, je les connais d'une certaine façon. Et donc, effectivement, tout ce que je propose, ce sont des hypothèses. Qui, a, qui explique les œuvres, mais du coup, en comprenant les œuvres, si ces hypothèses sont justes, ça veut dire qu'on comprend aussi quelque chose, peut-être, à propos de l'homme, tout en voyant que c'est toujours ambigu et complexe. Et donc, on ne pourrait jamais aller au-delà de ça. C'est-à-dire qu'on peut les faire dire aussi le contraire de oui. ce que je, je dis, euh, en, en se concentrant sur d'autres éléments. C'est un homme du clair-obscur. Oui, voilà, de clair-obscur. D'ailleurs, je veux juste dire, c'est anecdotique peut-être, mais que le vrai titre du livre, c'est La lumière des ombres avec sous-titre porte. Très subjectif de William Shakespeare. Mais les. L'éditeur les, a voulu. Les, voilà. Pas l'éditeur lui-même, mais les, les responsables commerciaux de la maison d'édition voulaient absolument. Ils voulaient simplement que ça s'appelle Shakespeare. Et ça, je n'acceptais pas. Donc, c'est l'éditeur qui a trouvé ce compromis. Mais c'est vraiment un essai personnel et, et, et subjectif. Et je. je pour laisser mon modèle reste toujours votre premier maire euh, Michel de Montagne, et pas Montaigne euh, et, euh, et que donc qui quand on lit le, les essais de, mon, de Montagne, donc c'est sur des sujets avec beaucoup de références littéraires mais finalement ce que ça donne surtout c'est un portrait de l'auteur. Et euh, donc, voilà, pour moi, c'est un essai dans la, dans la ligne de, de montagne. Nous vous avons compris, que, nous avons compris que vous ne cherchez pas à dire Shakespeare, c'est Hamlet, parce qu'il peut être à la fois Hamlet et le spectre. Oui, oui, <laughs> oui, voilà, très bien. Je me permets de remercier vivement et chaleureusement Eugène Green pour le temps qu'il nous a accordé. Merci, monsieur.